Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Zara bat Mazaltov, Shishportish, Simon bat Leoni, Michael Nobekov, aussi le Fouat, Norbert Avam, Ben Fortuné Mazan, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perigimel, Mishnah Bet. Atame Shachal et Akodesh, Vabal Amigdash Tame, Varochel Chelev, Vedam, Venotar, Upigul, Vetame, Ashochet Vamale Bachutz, Varochel Chametz, Bepesach, ואוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפתם את השמן והמפתם את הקטורת, והסך בשמן המשחה. Et je m'arrête là pour le moment, je laisse la suite pour après, étant donné que ça va concerner la deuxième partie de la Mishnah et qu'on est une Mishnah relativement longue. On continue dans notre Mishnah à énumérer les différents interdits de la Torah pour lesquels on est passible de chiyuv, malkout, la flagellation, être frappé au beddin, 39 coups comme on apprendra à la fin du perek, la manière de le frapper. Et bien sûr, on a introduit que la Mishnah, notre Perek, ne va pas expliciter tous les Chidushim, tous les laves de la Torah, parce qu'on a vraiment plein, car pour la plupart des laves, qu'on transgresse, on est passible de Malkout. Mais elle va énumérer ceux pour lesquels il y a un certain Chidush, comme on va découvrir tout au long du Perek. Hier, on évoquait une série de laves où il y avait des Chiyuvé Karet, des Chiyuvé de retranchement, c'est-à-dire que le tribunal céleste condamne l'homme à mort, et cet homme finit par mourir avant l'âge de 50 ans, sans laisser de progéniture, avec plusieurs... d'accord ? Ce qu'on appelle chiyuv karet. On peut faire tshuva pour des avérot pareil, c'est l'avantage. Et lorsqu'on transgresse un lave pour lequel il y a un karet, alors on est quand même passible de chiyuv malkout alpi abet din. Ça, c'était dans la Mishnah précédente. Et dans notre Mishnah, on continue de nouveau à énumérer toute une série de laves pour lesquels il y a un chiyuv karet, un chiyuv de retranchement, qui sont des votes encore plus graves, qui sont Atame sha'achal et akodesh ve'abel amigdash tamé. Ça va ensemble. C'est déduit d'une juxtaposition. Atame, c'est l'homme impur qui mange du kodesh. Il y avait un aliment kadosh, qui avait une sainteté, ça appartenait au bet amigdash. D'accord, c'est pas compliqué, on peut prendre une pomme même et dire. Ouais, ou bien on peut même se retrouver dans. Dans plusieurs situations, on peut avoir même un morceau de korban, on peut être à Yerushalayim, avoir un morceau du korban, d'un korban shlamim qui nous arrive dans les mains, et qu'on le mangerait alors que l'on est tamé. Donc c'est ce qu'on appelle la tamé shachal et akodesh. Un homme tamé qui mange du kodesh, eh bien, il y a en cela un chiyuv karet. Et encore, abba el amigdash tamé, celui qui entre au bet amigdash, alors qu'il a lui-même une touma, il est tamé. Il a touché, par exemple, un chéretz, un reptile mort. Il est donc devenu tamé et il entre ensuite au Bet Amigdash, ou bien tout simplement, comme c'est la grande polémique, de temps en temps ça refait surface, entrer à Arabaït pour les juifs qui viennent, les touristes qui ne savent pas toujours cet interdit grave d'entrer dans l'enceinte du Arabaït sur l'esplanade des mosquées, étant donné que nous on a une transmission que c'est là-bas le lieu où il y avait le Beth Amikdash, la Gdusha, elle est restée là-bas. On n'a pas le droit d'entrer dans l'esplanade des mosquées, on est impur, on n'a pas le droit d'entrer. D'accord ? En tout cas, la Mishnah, pour tous ces deux interdits, il y a en cela un chiyuv karet, un chiyuv de retranchement, et la Mishnah les a enseignés ensemble, parce qu'ils sont déduits du même pasouk, sur Bechol Kodesh, celui qui est devenu impur, c'est un pasouk dans Vayikra qui nous dit que celui qui est devenu impur, Bechol Kodesh lotiga, Ve'al Amikdash lotavo. Et il ne touchera aucun kodesh, c'est-à-dire toucher, ça ne veut pas dire toucher, la Gemara déduit que toucher, c'est, ça veut dire manger, il n'aura pas le droit de manger du kodesh, et il n'aura pas le droit non plus d'entrer au Beth Amikdash. On continue. Ve'ochel chelev, celui qui mange des graisses interdites, il y a à l'intérieur de la vache, et des moutons, des graisses qui sont interdites, le chelev, et donc ça, voilà. Ve'dam aussi, celui qui mange le sang, celui qui boit du sang d'un animal, ou, comme on a l'usage de faire, de cachériser la viande. Cachériser la viande avec le sel pour pouvoir en sortir tout ce sang. Ça, c'est Vaochel, Chelev et Dam. Venotar, Upigul, Vetame. Ces trois choses-là, c'est des interdits qui concernent les korbanot. Notar, chaque korban a une durée, une date d'expiation. Il y a une durée jusqu'à laquelle on a le droit de le manger. Selon korban, ça peut être soit la journée et la nuit qui suit, soit deux jours avec la nuit du milieu, et une fois qu'on en a passé cette limite,
alors la viande devient interdite à cause de l'issour du notar. L'autre tirou mimnoat boker, ça a apporté plusieurs fois dans la Torah, et ça s'appelle le notar. Et il y a en cela un chiouv karet, un interdit de le manger, il faut le brûler. Pigoul, c'est quelqu'un qui a égorgé un korban avec une mauvaise intention. Il a eu l'intention tout simplement de qu'il allait manger cette viande pendant 3 jours par exemple. Donc il devait, en théorie, il avait le droit de manger, c'était un korban shlamim pour lequel il avait normalement 2 jours. Et il a dit, ah moi je l'égorge avec l'intention de le manger pendant 3 jours. Alors il a rendu le korban complètement psoul, c'est ce qu'on appelle pigoul, marchevet psoul, il a une mauvaise intention. D'accord ? Vetamé, on parle cette fois-ci encore d'un kodesh qui est devenu lui-même tamé. Le morceau de viande du shlamim a touché par exemple un chevet, un reptile, ou un homme tamé qui est venu le toucher et qui lui a transmis sa touma, son impureté, et dès lors on n'a plus le droit de le manger, il y a un lave. D'accord ? Vachochet vehamale bachutz. Cette fois-ci on parle de celui qui égorgerait ou encore qui brûlerait de la viande du kodesh, qu'il aurait dû en théorie le brûler à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash. Et lui, il a décidé de faire son korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça c'est Shochet, Bachutz. Et Ma'ale Bachutz, c'est Ma'ale à la Misbeach. Celui qui va brûler dans un... Il va faire un petit hôtel en dehors du Beth Amikdash. Et il va là-bas brûler son bassin Kodesh. Alors là, il y a en cela un interdit avec un chiouf karet. On passe à un autre sujet maintenant. Une autre sorte de karet encore. On va Ochel Chametz Bepesach. Celui qui mange du Chametz pendant Pesach, il est Chayav Karet. Deux interdits. Celui qui mange à Yom Kippour transgresse un interdit qu'il y a en cela un karet. La Torah a dit Venichreta nefeshai kol melachot asu beezem ayom haze Venichreta nefeshai. C'est plus rapporté ici dans le Tosfot Yom Tov, c'est pas grave. La Torah a explicité un chiouf karet. Donc franchement, pour celui qui mange à Yom Kippour et aussi pour celui qui fait une melacha, qui transgresse, qui va faire un travail interdit à Yom Kippour. Va'mefatem et ha-shemen, va'mefatem et ha-ketoret. Il y a deux choses. Le shemen ha-mishcha, l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait fabriquée pour oindre tous les ustensiles du Betami, du Mishkan qu'ils avaient fait dans le désert. Il y a, la Torah, elle a donné la composition de l'huile, de cette huile d'onction, et elle a interdit à tout le monde de le faire. Et ni de la faire, ni même de la oindre, de l'oindre sur sa peau. Et donc il y a celui qui fabrique, ou bemat kunta lota asulachem, celui qui fabrique cette huile en mélangeant les composants avec les quantités explicitées, il y a en cela un interdit de la Torah avec un chiouf karet de nouveau. Et donc on sera passible de malkout si on a été averti de ne pas le faire. Et idem encore pour avoir mefatem et aktoret, celui qui va faire l'aktoret. L'aktoret c'est l'encens qu'on apportait tous les jours au Beth Amikdash, comme on lit dans la paracha des Ktoret, tous les jours, 2 fois par jour, on le lit à Shachrit, à Mincha, 3 fois par jour même on la lit. Il y a dans Tanur Rabbanan, puis dans Moudouat Keitzad, là-bas on explicite les quantités exactes, les mesures de chacune des encens qu'on mélangeait, il y avait 11 encens, et donc celui qui fabrique cette Ktoret transgresse un grave interdit de la Torah, et en cela un Chiyuv Karet, et on est passible de Malkout, de flagellation, si on a fabriqué cette Ktoret. Ou encore, Vassar Beshemen Amishra, celui qui va étaler sur sa peau de l'huile d'onction. Là, on a fini jusque-là tous les chiouvé karet. On va passer maintenant à d'autres sujets. On va découvrir encore d'autres sortes d'interdits de lave, pour lesquels il n'y a certes pas de chiouvé karet, mais que la Mishnah a eu besoin de l'enseigner parce qu'il y aura en cela un certain chidouche. Et là, en fait, on va parler de Veaochel Nevelot Utrefot Shkatsim Urmasim. Celui qui va manger des nevelot, un animal qui est mort sans avoir été égorgé, il y a en cela un lave, il n'y a plus de chiouf karet, mais il y a en cela un lave. Ou encore, outrefot, ça peut être un animal qui a été égorgé, kadat v'chadin, comme il faut, comme la halakha le prescrit. Le problème, c'est qu'il y avait, c'était une trefa, c'était un animal qui n'était pas viable, il y avait un trou dans le poumon, il y a des tas de halakhot, de choses qu'on vérifie ou non. Donc ça, c'est ochel outrefot. Shkatsim ormasim, c'est des sortes d'insectes, de reptiles. Et la différence entre shkatsim ormasim, c'est rapporté ici dans le Tiferet Israël. Shkatsim, c'est les animaux qui se reproduisent par reproduction de mâles et femelles. Et ormasim, c'est ceux qui se reproduisent par reproduction asexuée. Simplement, dès qu'il y a un certain pourrissement, ils se reproduisent, ils pullulent d'eux-mêmes.
D'accord? C'est ce qu'on appelle Shkatsim, Ormasim, et en cela un lave particulier pour chacun. On continue, notamment celui qui va manger une fourmi. On va approcher la Pessah, celui qui va manger la salade verte, la laitue, sans vérifier comme il faut chacune. Il y a une histoire avec le Ben Ishraï, qui avait, je sais pas si c'est lui-même, qui avait vu une femme qui nettoyait un petit peu à la légère une des feuilles de laitue pour le céder. Et il l'a repris à l'ordre, il a dit, si tu savais qu'en ce moment, je vois dans ta salade, autant d'interdits qu'en la mangeant, que tu as deux cheveux sur la tête. Et vers Ochel, je ne sais pas si c'est lui-même, j'ai entendu ça quand j'étais petit, peut-être que je suis pas, elle n'est pas précise mon histoire, mais c'est pas grave. Vers Ochel, Nevelot, ou Trefot, donc Shkatsim ou Massim. Ok? On va avoir besoin, alors je vous ai introduit, non, on continue encore une phrase. Aor Achal Tevel ou Maaser Rishon Shelon, Itlat ou Mato, Maaser Shenevegdesh Shelon, Yifdu. Celui qui a mangé du Tevel. L'interdit de Tevel, il faut savoir, lorsqu'on a une récolte, alors il y a plusieurs prélèvements à faire, qui sont tout d'abord prélevés un cinquantième pour le Kohen, ce qu'on appelle la Touruma Gdola. Une fois qu'on a prélevé le cinquantième pour le Kohen, on donne un dixième au Lévi, ce qu'on appelle le Maaser Rishon. De ce Maaser Rishon qu'on va donner au Lévi, le Lévi va lui-même prélever un dixième de ce dixième, ça va lui faire l'équivalent d'un centième, et il va aller le rendre au Kohen. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la Tourumat Maaser, la Tourumat du Maaser, c'est-à-dire le dixième du dixième. Tant que l'on n'a pas, ou encore, Maaser Sheni, le Maaser, non, c'est pas précisé ici, donc on va pas le dire tout de suite. Tant que l'on n'a pas prélevé tous ces prélèvements, alors la Tvoua, la récolte, elle est interdite à cause d'un issour de Tevel. Et il y a en cela un lav, avec plus que ça. Il y a un lave et il y a même un chiouv mita bidei shamaim. Celui qui ne prélève pas, il y a un chiouv mita bidei shamaim. D'accord? Si, après le maaser rishon, je vous le dis entre parenthèses, il y a un deuxième maaser qu'on prélève, ça s'appelle le maaser sheni ou maaser ani. Si on n'a pas prélevé ce deuxième maaser, il n'y aura plus de chiouv mita bidei shamaim, il y aura juste un issour lave. D'accord? Ça s'appellera aussi du tevel, mais tevel, ce qu'on appellera du tavoul le maaser sheni. C'est tevel parce qu'il faut lui prélever le maaser sheni. Il n'y aura plus de chiouv mita, comme on a dit. Mais on sera quand même frappé, d'accord? La Mishnah continue encore en nous enseignant Maaser Sheni Vehegdesh Shelon Yivdu. Le Maaser Sheni, c'est le deuxième prélèvement. Il fallait le prendre et l'amener à Yerushalayim. Celui qui ne pouvait pas l'amener à Yerushalayim avait la possibilité de transférer la Gdusha des fruits sur de l'argent en faisant ce qu'on appelle un pidyon, un rachat. Ouais, il rachète la Gdusha sur des pièces. Après, il devait monter avec ses pièces à Yerushalayim et aller les manger là-bas. S'il y avait du Maaser Sheni qu'il n'a pas prélevé, il l'a mangé alors qu'il n'était pas entré à Yerushalayim. Ou encore, Vehekdesh Shelon Nivdu, qui n'a pas été Nivda lui non plus. C'était quelque chose, il y avait une pomme. Il a dit, cette pomme, je la donne au Bet Amigdash, au trésorier du Bet Amigdash. Le trésorier va pouvoir la vendre, récupérer le shekel et demi que ça coûte, et l'utiliser pour la caisse du Bet Amigdash, d'accord? Eh bien, tant que l'on n'a pas racheté, on n'a pas fait le pidyon, on n'a pas racheté cette pomme, il y a un lave, un interdit de le manger, et celui qui le mange, alors il sera Chayav Malkout. C'est ce que la Mishnah enseigne. Pour notre propos, ce qui nous intéresse, comme c'est l'habitude, deux points nous intéressent. C'est celui qui a mangé un deshkatsim ou romassim, celui qui a mangé un insecte, il est chayav malkout, et celui qui a mangé du tevel, qui a mangé une récolte qui n'a pas encore été prélevée, il y a aussi un chiyuv malkout. C'est ces deux points-là qui nous intéressent, parce qu'on va en parler maintenant, on va apporter une précision, on va mettre le zoom sur un petit détail sur la quantité à manger pour être passible. Je vous apporte tout de suite deux données importantes. Une donnée à connaître, c'est que celui qui mange une fourmi, il y a un moussag, un concept qui s'appelle manger une birya. Pour tout interdit de consommer, pour la plupart des interdits de consommation, alors on est passible de malkout que si l'on mange ce qu'on a, un kazaït, une quantité d'une olive d'époque, l'équivalent de 27 cm3, l'équivalent, on traduit ça en grammes, ça fait 27 grammes en général, d'accord? Ça, c'est pour la plupart des interdits. Il y a une exception, c'est ce qu'on appelle une birya. Une bria, si on veut parler en hébreu. C'est celui qui va manger une créature entière. Même si elle ne fait pas un kazaït, il sera quand même passible sur elle. La Mishnah dit que celui qui transgresse, celui qui mange une fourmi, transgresse 5 laves. Elle les énumère. La Gemara explique, énumère pas la Mishnah. D'accord? 5 laves, si c'est un insecte qui traîne dans l'eau, qui rentre dans l'eau, il y a un lave supplémentaire. Si c'est un insecte volatile, il y a encore un lave supplémentaire. La Gemara détaille longuement. Pour notre propos, celui qui mange
un seul être vivant, mais entier, il le coupe pas en deux, il le mange tel quel, il prend la petite fourmi et il la mange, alors il sera chayav, même s'il n'a pas mangé un kazaït. Parce qu'il a mangé une achila chashuva, une consommation importante dans laquelle on a mangé une birya entière. Et on va découvrir dans notre Mishnah une discussion pour le tevel, lorsqu'on va manger la récolte qui n'a pas été prélevée, quelle quantité doit-on de blé doit-on manger? Il va y avoir Rabbi Shimon qui va nous dire, regardez, kama yochal mina tevel veyechayav. Combien de tevel, le tevel, donc c'est la récolte qui n'a pas été prélevée, doit-il manger et il sera condamnable au chiyuv malkout? Rabbi Shimon omer kol shiu. Rabbi Shimon pense, un tout petit peu, même un seul grain, il est déjà passible de malkout s'il le mange. Bah, chachamim omrim kazait. Chachamim dit non, il faut manger kazait, pas un seul grain. Il va prendre une petite poignée comme ça, 27 cm cube, et ça fait l'équivalent d'une boîte d'allumettes, comme ça on a l'habitude de dire, la boîte d'allumettes israélienne, la petite, classique, elle fait 27 cm cube. Quand vous prenez un aliment en faisant ces kazaït, entre parenthèses, imaginez si vous deviez le compresser et en former une petite boîte. S'il forme une petite boîte d'allumettes, une fois qu'on a compressé, qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur, eh ben dites-vous que vous avez devant vous un kazaït déjà. D'accord? En tout cas, on revient sur notre propos. Combien doit-il manger de blé du Tevel pour être passible de Malkout? Rabbi Shimon Omer Kol Shiu, il suffit qu'il mange un seul grain même. Rabbi Shimon Kazaït. Rabbi pense qu'il doit manger un kazaït, une quantité de un zaït d'une olive d'époque, 27 grammes. Amar Laim Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit à Chachamim, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? En atem odim li beochel nemala kol shiu chayav. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que celui qui mangerait une petite fourmi, il serait déjà chayav, passible de malkout, même s'il n'y avait pas un kazaït, parce qu'il a mangé une bria? Amroulo, mi peneche gribrike briata. Justement, Ramon Rodrigo dit, c'est normal, là-bas tu es chayav, parce que tu as mangé une bria, une créature entière. Mais lorsque tu manges du blé, tu ne manges pas une créature. Et c'est sur ce point-là que Rabbi Shimon discute sur eux et leur rétorque. À Marlène, il leur a répondu, Afrita achat kebriata, même un seul grain, je le considère comme une bria. Je le considère comme une créature entière. Et donc, on est déjà passible de malkout sur ça. Entre parenthèses, ça touche même au ilchot brachot. Pour celui qui mangerait un petit grain de quelque chose d'un coup en une seule bouchée, il entre, selon, il y a des avis qui l'ont passé déjà à faire la bracha haona. Pour la halakha, on ne tient pas la halakha comme ça. Bon, il faut nécessairement manger un kazaït, mais on fait attention malgré tout à éviter de manger d'un coup un grain de blé ou un grain de... C'est fréquent avec la grenade. Ouais, soit vous coupez les grains en deux, soit vous mangez plus qu'un kazaït, comme ça vous pouvez faire à la haisse. Parce que si vous vous amusez à manger deux grains de grenade comme ça d'un coup, et bien vous entrez en safek brachot. On vous demandera pas de faire la bracha haona, mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a des avis qui vous imposent de faire la bracha, alors... C'est dommage, vous n'allez pas la faire, vous allez perdre la mitzvah. D'accord? Ça, c'était vraiment entre parenthèses. Donc, pour notre propos, on retient qu'on a ici une discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim. Pour celui qui mange une bria, une créature, c'est-à-dire une créature dans les végétaux, dans les animaux, manger une créature entière, ça s'appelle une achila chashuva, une consommation importante, et on est chayav malkout, même s'il n'y avait pas un kazaït. Pour les végétaux, Rabbi Shimon pense que le fait de manger un fruit entier déjà impose de... On est déjà condamnable à Chiyuv Malkout, la flagellation, et Chachamim pense qu'il faut nécessairement manger un kazaït. On fait très rapidement le Bar Temora. Mefatem et Hachemen, le Fatem, celui qui fabrique l'huile d'onction, a aussi Shemen, Dougman Shemen Amishra, celui qui fait une huile, qui va se fabriquer une huile semblable au Shemen Amishra, l'huile d'onction de Vassar, Beshemen Amishra, ou encore celui qui va étaler le Shemen Amishra, Shehasa Moshe Rabbeinu. Ah, on ne parle pas apparemment de toutes les huiles qu'il aurait pu fabriquer selon les bonnes mesures que la Torah explicité. On parle de celui qui oindrait sur sa peau l'huile de Moshe Rabbeinu, que lui-même a fabriquée. On a vu ensuite « Maaseh Rishon Shelo Nitla Trumato ». Le Maaseh Rishon pour lequel on n'a pas encore prélevé la Trouma. Pourquoi ?« Chez Af Hu Bemita Ketevel ». Pour lui, il y a aussi un « Chiyuv Mita Bideshamayim ». Comme le Tevel, comme si c'était une récolte qui n'a pas du tout été récoltée, prélevée, dirtive. Elle sera considérée pour vous, votre Trouma, Kedagan Minagoren. Il y a là-bas une juxtaposition, on déduit que ça a le même statut que n'importe quel Goren, grange, fruit qu'on mange. Au Maaseh Rishon et au Maaseh Sheni, Shelo Nivda. Alors là, le Bar Temora, il va rallonger un petit peu. Il va nous expliquer.
allons le faire à l'intérieur de moi directement. Maaser sheni shenitma. Un maaser sheni qui a été rendu impur. Avafil au bureau shalaim, asur l'ochlo acheipade. L'ochlo bureau shalaim achevanivda loke. Bazartom, il veut l'obertim, mais on va laisser Lazar tout de suite. Le Barthénois nous explique que le maaser sheni qui n'a pas été racheté, on parle d'un maaser sheni même à l'intérieur du Rochalaim. Petite règle, une fois qu'on arrive avec le maaser sheni à Yerushalayim pour le consommer, dès qu'on est dans Yerushalayim, on ne peut plus le racheter. Puisque tu es ici, tu vas, tu le dépenses pour acheter de l'argent, pour acheter des fruits ou des korbanot, pour aller les apporter des korbanot de Shlamim au Beth Amikdash. Donc, tu n'as plus le droit de racheter. Toutefois, si ton maaser sheni à Yerushalayim t'amène tes fruits de maaser sheni, tes fruits deviennent impurs, tu auras le droit de les racheter même à Yerushalayim. C'est ce que le Bar Tanoura nous dit. Et que celui qui les mangerait même à Yerushalayim alors qu'il est impur, alors qu'il a été, le maaser sheni est devenu impur, il transgresse un interdit. Et la Hazara, le lave explicite dans la Torah, c'est écrit dans Mi velo biati mi menu betame. Il y a un passou qui nous enseigne, on est cette fois-ci dans Barjad qui dit ça, lorsqu'on fait le vidéo du maaser, il y a un passou qui nous dit que on reconnaît devant Hachem que l'on n'a pas consommé les troumot et les maasrot qui nous aient été prélevés dans l'impureté. Ça veut dire quoi qu'il en prend la pesa pas consommer dans l'impureté. Alors ça inclut deux choses. Ben shani tamé ou tamor, taor, que moi je sois tamé impur alors que le maaser sheni est taor. Ben shani taor ou tamé. Ou que ce soit le contraire, que moi-même je suis pur et les fruits sont impurs. Ou menen le maaser sheni shini tma shepodin otobir ushalaim. D'où apprend-on que le maaser sheni qui est devenu impur, qu'on aura le droit de le racheter même à Yerushalayim. Shenemar, comme le pasuk dit, que le tuchal seeto, car tu ne pourras pas l'apporter. Lorsque la Torah m'explicite la permission de racheter le maaser sheni, elle me dit que le tuchal seeto, tu ne pourras pas l'apporter, puisque tu as une quantité énorme de fruits, que tu ne vas pas pouvoir faire tout ce trajet avec tellement de fruits, tu auras le droit de racheter. Mais le mot seeto, ouais, le porter, littéralement, alors, pirouche, l'otuchal le ochlo. Malgré tout, on l'interprète aussi de manière l'otuchal le ochlo, tu ne pourras pas le manger. Parce que c'est on a trouvé dans un autre endroit le mot lissa, ça veut dire manger, kedirti, comme c'est écrit avec Yosef, Aïssa mas'at, pet, met, panav. Il a ordonné mas'at, qui sont en fait des aliments devant sa face. Ve hegdesh l'onivda, on parle, ça veut dire du hegdesh qui n'a pas été racheté. L'octiv be lav be edia, el atir azaradide, xorachara de chatret mitrouma. Le lave du Hekdesh, de ce qui est Kadosh, qui n'a pas été racheté, n'est pas explicite dans la Torah, mais on l'apprend par Xera Shava, juxtaposition avec deux mots qui se ressemblent dans la Torah, de la Trouma. Il y a marqué là-bas Chetret, un mot Chet ici et un mot Chet là-bas qu'on apprend en Xera Shava. Excusez-moi, il est très tard, mais je suis obligé de faire mon cours. Veaf al gav de miet rachamana, je vais que de bailler, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Veaf al gav de miet rachamana. Bien que la Torah exclut que l'on n'est pas passible sur lui de mort. D'accord, celui qui mange le Hekdesh, il n'est pas passible de mort, il n'est pas très bien de Shamaim. Malgré tout, Mimita, Mate, Velo, Mazara. À la différence de celui qui mangerait de la Trouma. Si je mange de la Trouma, soit je conclue. Moi, je suis Israël, je ne suis pas Cohen. Si je mange de la Trouma, je suis Chazu Shalom, il y aura un Chiyuv, Mita, Bide Shamaim. Tandis que celui qui mangerait du Hekdesh, il transgresse un lave, il sera frappé. Mais il n'y aura pas de Chiyuv Mita Bideshamim. Ensuite, Rabbi Shimon a rétorqué sur Achachamim en leur disant « N'êtes-vous pas d'accord que celui qui mangerait une fourmi sera passible de Malkout ?»« Mishum Sheretz Hachoretz Alaharetz » On a pas souk Beferouch « Lafalgav Delet Be Kashiur » La Torah a dit « Sheretz Hachoretz Alaharetz » Tu ne mangeras pas un Sheretz Hachoretz Alaharetz, un insecte qui pullule sur la terre. Je déduis de là qu'il y a on est chayav, même si j'en mange un seul, c'est explicite dans la Torah. Alors sur ça, Rabbi Shimon déduit, Ve'a frita achat kebriata, même celui qui mangerait un seul grain de blé, eh ben, ce sera suffisant pour être passible de malkout. Ve'ite l'chata la ke Rabbi Shimon, la lacha n'est pas établie comme Rabbi Shimon, lo karinan be ela le biria, sheyesh la neshama bilvad. La lacha n'est pas établie comme Rabbi Shimon, car on ne considère en réalité comme Biria, comme créature entière, que ce qui a un souffle de vie en lui, qui a une neshama, et pas les végétaux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.